Go. Test du lancer de la poêlonne. Take one. On dirait pas que grand chose est arrivé à nos poêlonnes. La poêlonne Star Frites ici, elle a comme un espèce de colle caoutchouc, crotte de nez un peu, dégueulasse. Et puis en plus, on peut voir qu'après seulement qu'un lancer de la poêlonne, la poignée est déjà très, très lousse, même que je suis sûr qu'on pourrait la péter d'un coup de pied. Très, très décevant. On va essayer le test du pied avec la Tefal pour le fun. Oh! On voit que la Tefal ici, par contre, la poignée est lousse un peu, mais tout de même, elle n'a pas cassé. Un dernier petit test, c'est le test que j'aime appeler le test du marteau. On voit ici que la Tefal a perdu un peu de sa forme. Je vais vraiment la ramener à sa forme naturelle, par contre, à cette heure. On va maintenant essayer le test avec la Star Frites. Dans les deux cas, là, on voit que la Star Frites, peut-être c'est à cause de son rebord un peu trop haut, a vraiment changé de forme. Voilà nos tests pour nos deux poêlons. Tefal versus Star Frites. Je donne toujours le point à Tefal avec son spot rouge. Yeah!